appétit. Merci. Alors, Maman Shoko, et tu ne demandes pas comment je connais ton nom? Ah, peut-être, vous avez lu ça là-bas. Ah, voilà. oui. Ça veut donc dire que tu as compris ce que j'étais observé depuis longtemps. Si j'ai pu lire la plaque. D'accord. Naturellement, j'ai pu observer la beauté qui se cache derrière ce compteur. Oh. C'est là où je me bats tous les matins. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'aime des femmes battantes, tu vois. Ouais. Tu ne te contentes pas de ta beauté, tu ne te fous pas les vernis dans le doigt pour attendre le premier venu qui va débarquer sur son cheval blanc pour t'emporter au Nirvana. Non, tu te bats. Merci. Moi, je suis une veuve, mon mari est mort, ça fait aujourd'hui 6 ans. Et puis, je me bats, c'est avec ça que je nourris mes enfants. Vraiment. C'est avec ça que je paye la scolarité. Ok, c'est super. Tu vois que j'avais pas tort d'avoir un béguin pour toi. Hein? J'ai senti quand même que tu es battante. Tu Merci beaucoup. Bon, ben moi, comme tu vois, je me débrouille aussi. Je fais des livraisons. Des livraisons de quoi? Beaucoup de produits. Je représente des marques. Bientôt, je crois que je pourrais te livrer aussi certains produits de cafétéria. Ah, merci beaucoup. Non, je suis mon propre patron, donc je n'ai pas de permission à prendre à quiconque. Donc, ton programme sera le mien. Bon, j'ai tenu quand même à te voir aujourd'hui de façon spéciale. Spéciale? Oui. Oh. Tu sais, un homme, quand il s'intéresse à une femme, il aimerait la revoir bien souvent. Dans ce sens, je pense que si ça ne te dérange pas. Je ne blague pas même mon travail. Moi, j'arrive ici à 6 heures du matin, je fais le café, bref, en fonction des clients, quoi. Et à 16 heures, j'arrange tout et puis je rentre chez moi. Tu vas me donner ton timing, puis je m'organise en fonction. Tu sais, je suis mon propre patron, donc je n'ai pas de permission à demander à un patron. Donc, ton programme sera le mien. Touchez-moi bien la tête là, parce que ce soir, ça va prendre feu. Maman, ma copine, t'inquiète, on va te toucher ça, très bien même. Confiance, mais à t'entendre parler sans que tu aies un dur rendez-vous ce soir. Toujours. Oui. C'est un sougada, Dino. La qualité que tu touches seulement, il a AVC. Après, tu signes ton chèque, tu rentres chez toi. Tu payes quoi? Maman, là les jeunes gars qu'on a ici dehors maintenant. Un jeune gars te prend toute la nuit dans toutes les positions, ou place-toi comme ça, place-toi comme ci. Le matin, tu es toute fatiguée, il te dit bien merci. Quand il a trop fait, il te donne 2000. On s'appelle non. C'est vous qui acceptez les choses comme ça. Nous, à l'université, on ne dure pas au champ. On veut la qualité qu'on te touche là, 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 là. Tu as déjà signé le chèque, tu nous as déjà donné l'argent. Sinon, on va payer l'école comment? On va payer les appartements qu'on loue comment? On veut le gain, le bénéfice. Ouais, ma copine, maman, elle va te c'est toucher la tête, trouvé. Là, t'inquiète. Non, on me dort. Sois rassurée, une fois que tu m'oublies, maman, quand tu vas briser. Tu vas comme ça, tu te touches, après tu me fais le verre. Pardon. Ok. Maman, confiance, ma copine. Aie confiance à toi, je sais que quand tu vas briser, tu vas penser à moi. Tu vas aller marcher là-bas, tu me tournes le dos. La famille. Ok. Je sais aussi que tu vas être sugar mommy. Ça m'a dit que tu as investi là. Sugar mommy, comment? Il peut financer quelqu'un. Maman Choco. Ouais, ça commence par ça va bien, Maman Choco. Merci. Maman Choco, il y a pas de plaisir. Pardon? Le crédit est mort. Je n'encourage pas la pauvreté ici. Crédit. Tu as un cahier ici que tu as ouvert. Tu n'as même pas encore fermé le cahier là. Tu viens encore pour le crédit. Mais je n'encourage pas quand même la pauvreté. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, tu me dis que tu es venu avec ton gars. Tu penses que je nourris l'orphelinat ici? À notre époque, quand on partait au cafétéria avec un gars,
S'il n'a pas l'argent, nous on paye. Si vous êtes pauvre, allez rester chez vous. Je n'encourage pas la pauvreté. Je dis, donc tu m'as fait marcher tout droit là. Pour venir faire le crédit ici. En plus, on me donne dans un café. En plein air. Non, c'est là, on ne laisse pas les gens. Quand tu me regardes là, je reçois mon crédit. Tu es malade. Pardon, ne cache pas dans les yeux. J'ai dit excuse-moi. Je te parle. Quand tu me suis ici, tu vas prendre le chemin là. J'ai de tu n'as pas de crédit ici. J'ai dit le crédit est mort. Voilà. Je vends 500 euros de travail. Je ne peux plus donner le crédit, c'est le trou ici. L'amour toute la nuit, je n'ai même pas dormi. Toi, il faisait ce n'est pas l'argent. Elle allait faire le crédit de côté. Je n'ai rien à pour ça, je vais faire. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé.
Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces par-ci par-là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite, directement.